Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du destin, épisode 27-28 si je me trompe pas, on n'est pas loin de tout ça. On est parti pour aujourd'hui, full drama. Je suis avec Valoriel Arnaud de Calédor. Bonsoir. Sigmund Schopenhauer. Franks Schmiller. Bonjour. Et Yedril, qui n'était pas censé être là, mais qui est quand même là. Il est en train de cométer dans un coin. Ah bah pour l'instant il est dans un coma. Oui, c'est vrai ça. Yedril Horimet. Comme à notre habitude, hein, deux petits mots, merci à nos Patreons. Jingle. Merci à vous, nos Patreons. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Et donc, merci à toi, Valentin Vinterheim. À toi, Doty Sutra, Loïc Lebas, Joachim Meyer, Gaël Roth, John, Melissa, Steph Vanou, des bisous, bon, on vous connaît. Mais Guillaume Gonsalves, jamais, plus jamais j'égorge ton nom, t'entends ? Quentin, Pierre Ecoguer, Capone, Edouard Corvol, Fumble Legend, des bisous. Je dirais Fumble, c'est sa monture. Thibaut Bernard, Jonathan et Zorro. Alors, je précise, hein, on est partenaire de D&D Arsenal. Si ça vous intéresse, avec le mot de passe crocodile, vous pouvez avoir 10% de rabais. En plus, on vient de finir Roll Event, donc il y a eu pas mal de giveaways qui très certainement continueront sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, mettre des pouces bleus, des commentaires, vous aurez la chance de gagner tout ça. Donc on compte sur vous, voilà, petit clin d'œil. On a un Discord sur lequel on déconne bien, il hein, n'y a pas de doute. Faut qu'on remette, aujourd'hui on fait full drama, comme ça on a de nouveau de quoi fournir en même. Hein. MJ, je compte sur toi et tous les autres. Bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît. Je sais que vous êtes là, je vous fais confiance. Il va y avoir du potentiel de même. Il va y avoir aussi du potentiel de même. Comme toujours. On a une petite page Tipeee en dessous, n'hésitez pas à aller voir, regarder. Venez nous suivre, hein, partagez, enfin dites-le à vos copains, ou si ça vous intéresse un petit peu moins le Warhammer, l'univers de Warhammer, allez regarder le Comptoir des Songes, très chouette série. Mmh. Elle est top notch, fait par notre chère présidente Coco. Et puis, je pense qu'on va pouvoir parler du résumé. Alors, on va essayer de résumer un petit peu large. Nous avons 4 joueurs jusqu'à maintenant, parce que là, c'est important pour les nouveaux. J'aimerais bien qu'ils sachent ou qu'ils se resituent au cas où. On a 4 joueurs qui sont réveillés dans un trou enchaîné par des chaînes qu'ils ne comprennent pas. Elles sont un peu éthérées, elles sont inexistantes pour toute autre créature autre que eux. Et les vampires, apparemment, eux les voient. Et ils sont suivis par une créature du nom de Gulu. Tout du moins, c'est comme ça qu'ils l'ont nommée depuis qu'elle parle. Mais maintenant, je pense qu'ils ont une petite idée que Gulu, c'est peut-être autre chose. Pour ceux qui n'ont pas encore vu comment était Gulu, c'est une sorte de tête volante avec 2 grandes ailes et un seul œil. J'ai les fanarts au pire. Tu as les fanarts. Il y a toujours les fanarts, mais pour ceux qui, justement pour les nouveaux. Oui, pour les nouveaux. Bah, sur le Discord, hein, si vous allez vous balader, il y a tous les fanarts. D'ailleurs, je pense qu'on va même les partager sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont incroyables, ces fanarts. C'est une bonne idée, c'est ouais. Donc, ah bah oui, voilà, ça c'est la version actuelle de Gulu, quoi. C'est la version évolution. On n'a pas la version actuelle, la dernière évolution, on ne l'a pas encore faite. Ça c'est la dernière en date d'essayer de faire le fanart. Il y a encore la possibilité. Emdine. Non, c'est horrible. Ils étaient enchaînés. Ils ont suivi cette créature et essayé de comprendre ce qui leur arrivait. À chaque fois qu'ils meurent, ils reviennent. Ils sont liés par un destin qu'ils n'arrivent pas à interrompre, casser. Ils ont tour à tour commis des actes atroces, horribles, mais aussi héroïques, bénéfiques. Je rappellerai le moment où, avec le futur empereur, vous êtes allé voler une cave pour avoir une clé, je rappelle, pour ensuite le filer à un nécromant, mais ensuite se dire « Oups, c'était une mauvaise idée ». Voilà, donc il y a eu des très gros bas et des très gros hauts. Nous avions un arc scénaristique sur à peu près chaque joueur, et là on est dans un arc plus ou moins final, mélangé entre Valoriel et Sigmund, donc entre un no-elf et un ancien prêtre de Sigmar, humain. Quel étrange mélange. Voilà. Ah. Mais ça se prête bien au niveau du scénario, donc on profite. Tu vois, c'est bien pour faire un truc chouette. Actuellement, ils sont dans le territoire des vampires, en Sylvanie, hein, pour ceux qui connaissent l'univers de Warhammer, et ils essaient de foutre le camp, hein, de se protéger, parce qu'ils sont allés attaquer le plus gros vampire de cet endroit, en se disant que c'est bon, c'était les boss, ils allaient gagner. Et ils ont gagné contre toute attente. Qu'on soit bien d'accord, c'était pas censé arriver. Mais ils ont gagné contre toute attente. Ah, c'était incroyable. Maintenant, je vais me venger. Mais vous allez voir, c'est super, parce que du coup, je vais pouvoir faire un petit morceau de scénar en plus, grâce à ce que vous avez réussi à faire. Non. Aussi. Mais si c'est se venger, il va pas réussir.
Toi, tu rigoles, mais t'as plus beaucoup de fragments pour revenir à la vie, donc tu te ferais mieux de faire gaffe. Ah, c'est vrai, ça. On a gagné, on a gagné. Oui, vous avez gagné des revenus, c'est ça. On lui a défoncé sa face. Et on pensait qu'il était mort, mais, en fait, non. Je suis pas mort la dernière fois. Non, donc, mais t'inquiète, ça va donner la suite. Réellement, ça va être... Donc, on en était à... Toi, tu es dans le coma à cause d'une assassine qui est arrivée dans le dernier combat et qui a achevé votre adversaire. Ce n'est pas qu'une assassine. Voilà, full drama, on va voir. Vous cherchez à savoir pourquoi Vlad von Karstein était revenu à la vie. Mais l'information était détenue par quelqu'un qui était en fuite et qui était en train de foutre le feu à peu près tout ce qu'il croisait en fait sur son chemin. Pyromane, hein. Un peu désespéré, vous avez décidé de vous adresser à nouveau au culte du plaisir, dont Valoriel connaît les coutumes. Vous étiez entré, et c'est là qu'on reprend, à l'entrée de Petronil qui arrivait « Coucou les choux, je suis de retour !» Et puis vous la voyez, qui prend un verre, qui se sert au premier humain, qui commence à boire une petite gorgée, elle tape et elle discute, vous ignorant complètement. Je rappelle un petit peu, vous êtes donc dans des souterrains, catacombes, avec quelques lueurs très faibles à gauche et à droite, d'autres complètement magiques. Une grosse dose de vampires, on va pas se le cacher, dans l'endroit, avec quelques elfes noirs, d'autres races. Beaucoup d'humains pendus au mur, comme source à l'envers, pour que le sang coule plus facilement. Oui. Les vampires me regardent comment ? En sachant que je suis certainement un des seuls humains de la salle qui n'est pas enchaîné et au mur. Alors justement... Bien sûr que tu es enchaîné. Ils te regardent de façon très appétitive. Mais en effet, ils voient les chaînes que tient Sigmund. Sigmund qui a autrefois été lié maintenant, est patron de ces trois branquignoles. Et vous avez décidé de chercher des informations. L'endroit, ça reste le culte du plaisir. Hein. On est sur des drogues un peu partout, des ventes d'objets magiques à gauche et à droite. Des salles dont des bruits voilà, passent, mais pour rester gentil sur Twitch et sur YouTube, on va éviter de dire des conneries. On sait très bien ce que c'est les bruits, mais on n'a pas, pas besoin de les refaire. Vous voyez d'ailleurs une sorte de petit faisan qui sort d'une pièce, qui se fait prendre par un autre elfe noir et ramener un peu en mode bouquac, ramener dans une des pièces. Faisant. Vous vous demandez vraiment ce qui se passe dans cet endroit, c'est un peu bizarre. Je suis très content d'être en train de dormir dans Gulu. Voilà, c'est toi tu es dans Gulu. Bien de rejoindre. Voilà. Alors, donc bien. Valoriel, enfin, j'ai des objectifs assez clairs. Je me dirige dès que possible. Enfin, déjà, je regarde un petit peu s'il n'y a pas déjà des gens que je connais peut-être. Alors, il n'y a personne que tu connaisses. Quoique, soudainement, oui, tu reconnais un elfe, un vieil ami à toi. Un vieil ennemi. Un vieil ami. Un vieil ami, d'accord. ça fait pas de mal de voir un visage familier. Ouais, sauf qu'il est vachement pâle. Ouais. Lui, il a déjà changé de bord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ah, lui, il est en train de taper la discute. Hein. Il boit un verre avec des vampires. Un beau elfe qui est devenu vampire, genre. Il est déjà. Alors non. Il avait une expérience de vie. Ami avec les vampires. Ah, il est en train de taper la tchatche avec les vampires. Mm-hmm. Mais il est très pâle, pourquoi ? Bah, parce qu'il est plus, ouais. Mm-hmm. Il est très corrompu. Il a un peu changé de bord, presque. Voilà. Son alignement, c'est plus le gentil Welf, c'est le grand Welf arrogant. Se changer ce de bord là comme ça. Voilà. Oui, c'est pas très grand. Quart de miel. Quart de miel, tu m'appelles. Ça marche, quart de miel. Se retourne. C'est vrai. C'est parfait. Valoriel, mon ami. J'arrive, je fais une embrassade avec mon bras. Ouais. C'est parfait. Ah, on voit là déjà une nouvelle. Oui, malheureusement. En plus, c'était mon bon bras. Je confirme, tu étais efficace avec. Mon bon quart de miel, que fais-tu ici ? J'accompagnais des amis communs que nous avons. Bien. Je les attendais. D'accord, mais ça fait très longtemps que je ne t'ai pas revu. Oui, de même. Ça fait quoi, bien 150 ans ? À Ultuan, je crois. Non, pas 150 ans. Enfin, quoique, j'en sais rien au final. Ça fait un bail, hein. Ouais, bien 100 ans, au moins. Ah, sûrement, je ne sais pas. Oui, j'étais sur Ultuan. Tu sais, j'ai rapidement changé. Oui. Tu n'aurais pas peut-être eu vent de ce qu'il y aurait ici pour membres du culte ? Ah, bah si, de tout. T'as les deux vampires un petit peu qui sont assis en mode noblio bien posé. Excusez-moi, permettez-moi de me présenter. Valoriel Arnor de Calédor. Intriguant, votre ami. C'est un wolf, n'est-ce pas ? Oui, pour l'instant. Et il est resté ? Oui,
pour l'instant. Vous voulez un verre, mon ami? Puis elle te tend un petit verre. Ouf, tu vois la coupette rouge. Ouais. T'es pas vraiment sûr si c'est du vin ou du sang. Écoutez, je vais plutôt boire un peu plus tard. Là, j'ai juste 2-3 choses à faire avant de pouvoir vraiment m'installer et profiter de la soirée. Je vois, je vois. Eh bien, si vous voulez venir vous joindre à notre tablier pour la soirée... Oui, alors pas, certainement ou... plus tard, certainement plus tard. Mais donc oui, avec quart de miel, sais-tu peut-être me le rediriger vers les différents fournisseurs? Je peux t'appeler la maîtresse des lieux. Ah, peut-être. Elon. Et là, il y a une dame qui ouvre un de ses rideaux qui cachait les nombreuses pièces, qui arrive dans un appareillage extrêmement érotique. C'est-à-dire que, ses formes sont très mises en valeur, avec des pièces de métal qui en renferment un petit peu chaque atout qu'elle a. Elle se dandine un petit peu vers toi, puis elle pose ses doigts sur toi. Enfin, que puis-je pour toi, Valoriel? Elle connaît ton nom. Eh bien, je suis à la recherche de quelques avantages qui pourraient m'aider sur 2 points bien particuliers. Je t'écoute. Tout d'abord, je suis à la recherche d'une personne qui m'est très chère et qui est très chère au culte. Essedei. Mention du nom, elle se relève un petit peu. Elle voit que ses atouts ne fonctionnent pas du tout contre toi. De mémoire, tu n'es pas un grand prêtre du culte. Tu n'as donc aucune matière à la discussion sur ce sujet. Et le deuxième? Et le deuxième, ce serait pour savoir si il y avait moyen que le culte puisse me procurer naturellement. Je suis prêt à payer, que ce soit en nature ou en argent, quelque chose qui me permettrait de résister à certains contrôles mentaux. D'accord, donc tu ignores complètement le fait que lui, il est dans le coma, on est bien? Actuellement, oui. Ok. Le contrôle. Ah, pourquoi ça? Eh bien, j'aimerais pouvoir plutôt... j'aimerais pouvoir garder ma volonté libre. Elle pose sa main qui commence à glisser gentiment dans ton habit. Est-ce que t'es sûr de vouloir laisser passer ça, Sigmund, ou pas? Il l'entend pas. Je peux parler en elfique. Ça me semble plausible, donc on va dire oui. Voilà. Moi, je prends Sigmund à part et je regarde ça de la salle d'un dédain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle glisse quelque chose dans ta tunique, puis elle ressort sa main. Ça devrait faire l'affaire. Au moins temporairement. Merci. Mais bon, je veux d'autres choses en échange. Juste envie de savoir depuis quand tu parles elfique, parce que sinon j'ai quand même beaucoup de questions à te poser. Ah, je pense que depuis que je parle que avec des elfes, je parle elfique. Ok. Logiquement. Ouais. Tant pis, les questions viendront. Ça fait sens. Depuis que j'ai vu mon ami, en fait. Ça fait sens, ouais. Et rien de faire. Information, objet, tu sais comment ça fonctionne ici? Oui, bien sûr. Du coup, rien de faire. Si tu veux des poisons, tout autre équipement, ça peut te coûter. Et du coup, on profite, on fait le premier vote du live. Que pourrais-tu avoir de quoi pourrais-tu avoir besoin? J'ai un peu d'or, j'ai... Alors oui, évidemment, l'or, mais... L'or, toujours, mais les informations, j'en aurai aussi. Commençons par ce que tu as. Nous allons procéder à l'échange de la façon suivante. Tu vas me révéler ce que tu possèdes, puis je vais révéler ce que je peux te proposer en échange. T'as plus grand-chose, non, en or, je crois. C'est relativement beaucoup, encore. 102 pièces d'or. 102, ah oui, quand même. J'ai encore 300 en moi. Ouais, bon, ça, voilà, c'est parce que t'as pris la... J'ai 7 Théo. T'es
Moi, je vais te rabattre sur cling, cling. De toute façon, je me nourris de la nature. En vrai, il faut que je vérifie avec juste mes anciennes fiches, mais sauf erreur, excepté le jeton du culte et la gourde d'eau sacrée du haut de la montagne, et mes pièces d'or, j'ai rien d'autre. Ok. Moi, j'ai plus de pièces, en cas où. Ouais, juste, justement. mais j'ai sur ma personne, j'ai une centaine de pièces d'or. J'ai elle se détend complètement, elle regarde Simon. Ah. Objet très intéressant que vous aviez là, que vous avez là, mon cher. Mon cher, elle est passée en langage commun. Ouais. Ah. elle se redandine devant toi. Mm-hmm. Toi, tu vas me faire un jet de charisme, par contre. T'es pas du tout dans l'état mental de celui-là. Oh. Je te sauvegarde de charisme. Moi, je suis à côté. Toi, t'es en train de te faire rasticoter par des vampires qui te regardent un petit peu et qui te poquent pour te faire danser sur place pour l'instant. J'ai toujours tout mon armement en plus. Et c'est critique. 12 celui-là. 12 Ouais, je crois. Ah, t'as fait 12 T'es un peu paumé, on va pas se le cacher. T'as fait genre 3 plus 9, ça. Non, 5 plus 7. Ah, ouf. Oh, rien que ça. ça passe à peu près, mais vraiment rac-rac, quoi. T'es un peu chaud, soudainement. T'entends Gulu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait chaud là-dessous. Ton objet, là. Oui. Pourrait m'intéresser aussi. Vous intéressez à moi tout d'un coup. Je me suis toujours intéressé à vous. Après tout, n'est-ce pas vous qui tenez les chaînes de ce misérable Valorian ? Je ne sais pas, disons que ces dernières minutes, vous avez tendance à être accaparé par lui. Ne vous inquiétez pas. Ah, je comprends. Je suis accaparé par lui car des circonstances font qu'il est intéressant pour l'instant. Moi j'entends tout ça. Hein. Oui, oui. C'est lui comment. Ouais, c'est ça, c'est lui comment en plus. Donc, vous seriez intéressé par cet artefact. Bref, ou l'autre, là. Ou encore... Bah oui, aussi. Elle finit par regarder un petit peu au-dessus, puis fait... Ou sinon votre ami, en regardant Gulu. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment d'accord. T'as Gulu qui rigole. Est-ce vraiment une question de choix à ce stade? Ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qu'il se passe si vous vous retrouvez seul avec lui. Il sourit, il crache. Yeldrim sur le sol. Yeldrim, tu t'écrases sur le sol, tu roules. Toujours dans le coma d'ailleurs. Je vais aller m'occuper de lui. Dans le coma. Je vais essayer de le réveiller. Hein. Pourquoi il m'a craché? Il y a une raison. Ah ouais. C'est juste... Puis il s'approche gentiment de la meuf. Tu vois qu'il ouvre sa grande gueule. Interdimensionnel, je rappelle. Puis elle regarde ça en mode. Nous disions donc. Donc vous disiez que vous étiez intéressé, mais qu'est-ce que vous offrez en échange de cet objet ? Écoutez, regarde le cadavre de votre ami a rencontré. Il respire toujours. Hein. Elle le met plus pour très longtemps, vous savez. C'est un poison qui tue en deux jours. Je le connais, c'est moi qui l'ai vendu. Enfin, fourni à SAD. SAD ? Il me semble avoir déjà entendu une amie en commun. Naturellement, Sigmund. C'était l'assassine, la lame lunaire. L'âme lunaire. Oui, nous la connaissons mieux. T'as tout le monde qui se retourne dans le bar et qui te regarde. Comme si c'était pas déjà le cas. Il y avait quelques vampires qui s'amusaient avec toi. Mais là maintenant, ils se retournent tous un peu en mode... Je crois qu'il ferait mieux de rester un peu. Ce serait dommage que nous devrions se débarrasser de vous. Oui, très dommage. Franks. Je vais m'occuper de mon ami. Franks, venez ici. Tu t'approches vite un peu de Valorian, tu te planques un peu dans sa jupe. Restez proche de moi. Au fond de moi... J'ai un petit regret quand même, parce en regardant notre cher ami qui est empoisonné, j'ai perdu ses pouvoirs qui auraient permis de le sauver.
ça, mais ça, ils ne se rendent pas forcément compte. Le live a voté, je profite, le vote, le live, faites-moi le deuxième vote. Il y a deux votes d'affilée cette fois. Voilà. Ils ont fait un choix. T'as rien fait. Je peux vous vendre l'antidote? Son sourire, il est carrément malicieux. On va se le cacher. Fait pour un prix. Wink. Vendre gratuitement, est-ce que c'est vraiment vendre? Non, vous avez raison. J'aimerais... Regarde. Elle regarde tes objets, puis elle regarde Gulf. Ouais, non. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc, j'ai un objet de plus, en fait. J'ai encore la couronne de Sigmund. Oui. Mais elle a compris qu'elle n'ose pas te piquer tes objets à cause de Gulu, en fait. Donc elle regarde un peu autour. J'aimerais son épée. Remercie le live. Non. Alors. fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Peut encore se négocier, mais disons que sept. S'il se retrouve tu sans es charmé, arme, pardon. Cela va nous aider. Alors réel. Allons, Franks. Donnez-moi cette épée. Il faudrait. Vous pouvez pas me refuser. J'ai quelque chose. Je sais pas si MJ a entendu. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de charmer Franks, il me donne son épée. Ok, Franks, t'es là. Il a foiré son jet de. Tu t'es en train de regarder la jolie dame qui te parle. Non, mais c'est pour la dame. T'as un petit peu oublié de penser avec ton vrai cerveau. Là, tu penses avec ton deuxième cerveau. Tu donnes l'épée. Une arme un peu moins bonne. Ouais. Maintenant, c'est donc moi qui l'ai. Ouais. Et je me tourne vers Elan. Donc, je disais que cela nous porterait préjudice s'il se retrouve vraiment sans arme. Il faudrait rajouter à cela au moins une petite compensation pour qu'il puisse se battre. Franks, ça dure une heure le charme, si jamais. C'était horrible. Salaud. Saligo. Tu peux pas faire une compte à la fin qu'elle a donné. Ah oui, tu te rendras compte. Non, par contre, L'arme du garde décrypte à l'entrée, ça vous irait? C'est une épée un peu rouillée, mais c'est une épée encore aiguisée. Moi, j'arrive quand même à capter qu'on vient de me. Je crois que mon épée, j'aurais bien un remplacement correct. Mais là, t'as du sang qui coule de ton nez, en fait. Entre Valoriel et Elon, t'es carrément dans un autre monde. Donc, oui, il y a certainement moyen de s'arranger. Peut-être pas une épée, mais peut-être une arbalète, peut-être quelque chose d'autre, une hache. Ah non. Non. Une épée. Une épée pour une épée. Une épée pour une épée, ainsi que l'antidote, dans ce cas. Et une épée qui ne se cassera pas au premier coup. Et la coupe. Tu dois essayer de la persuader otherwise. Moi, je veux bien. C'est déjà quoi, elle t'ignore. Elle m'ignore tout. J'ai des. Je crois qu'elle a fait ça comprendre quand elle a dit que t'étais un misérable. Oui. Voilà. Misérable. Je crois que t'es un peu dans son chemin, en fait. In her way. Très bien. Qu'est-ce qu'il vous a demandé en... juste avant? Des informations sur sa belle étendue. Cela paraissait un peu long pour être juste une négociation pour des informations. Hein? Elle m'a expliqué qu'on ne parlait pas d'elle ici. Elle est là pour affaires. Ce n'est... Donc... Allez, j'augmente la proposition. Je vous donnerai des informations. Quelle qu'elle soit, je suis sûr que nous les possédons. Et en échange, je rajoute. Et là, t'as plusieurs vampires qui se lèvent. Le goût de. Valoriel. Pardon ? Le goût. Les vampires du coin ont toujours voulu goûter un Aurel. Disons que vos amis ont tendance à. Exagérer un petit peu quand il goûte. Quelle garantie! T'as Patronyme qui se lève. Ouais, je confirme. Ils sont bons en fait. Ils ont un goût dégueu, mais un goût de reviens-y.
ta gueule. Fait, oh, oh, je suis en train de vous aider. C'était frère en plus. Je sais pas, là. Alors, attends, juste, ça veut dire que là, là c'est quoi? La coupe est valoriale encore. L'épée, la coupe est valoriale. Pour les infos. Pour les infos, l'antidote et une épée. Et une épée correcte. Ouais. Genre correct rouillé ou correct vraiment... On peut s'arranger. D'accord. Sur une persuasion de Sigmund, qui est le seul à actuellement faire du troc. Ouais, actuellement, il n'y a que Sigmund qui peut, elle ne la coûte pas. Donc bon, voilà. Ah, je crois que tu n'as pas essayé de me parler à moi. Mais c'est vrai que Elon ne l'écoute pas du tout. Elon est dans ce cas actuellement en train de parler avec le maître des chaînes. Exactement. Ça, c'est bien, ça. Tu l'as pas. T'as gueule qui fait... Ça sonne bien. J'ajoute à cela que je ne veux pas qu'il meure. Et après, nous avons un deal. Femme. Ok. En claquant des doigts, t'as plusieurs vampires qui viennent, qui s'agglutinent autour de Valurel, qui l'attrapent, qui le collent au mur par la gorge, qui le retournent, qui le pendent à un crochet, et qui font une petite entaille dans sa jugulaire, puis ils mettent un petit bol en dessous. Tu vois Valoriel qui s'agite, qui est en train de se gentiment de se vider de son sang. Puis elle te regarde avec un petit sourire. Mmh. Ah oui, quelles informations vous voulez? Traînez pas trop si vous voulez qu'il survive. Putain, c'est toi qui voulais les infos. Le pire, c'est que c'est moi qui voulais les infos, justement. Oui, donc je ne sais pas ce que tu voulais. T'as Petronique qui est là. On cherche quelqu'un, vous vous souvenez? Pyromane. Merci, Petronille. On était venu ici, je crois, pour... rechercher justement la personne qui... Donc, une certaine personne se serait évadée du manoir des von Karnstein. Une personne qui serait recherchée par Vlad activement et qui commence à embraser un peu tous les villages au coin. Ah, c'est lui l'embraseur. Intéressant. Oui, en effet. Regardez, puis là, alors que toi, t'es continuellement en train de saigner, hein, je veux dire, t'es vraiment en train de mourir gentiment, oui. À petit feu, elle va chercher une map des environs. Puis elle commence à dessiner, en fait, avec son doigt, elle le trempe un petit peu dans le sang de Valoriel, lui roule un petit patin, avec un petit sourire, parce que Valoriel n'était pas du tout sensible à ses charmes. Puis elle entoure quelques villages avec son doigt ensanglanté. Fait, voilà les villages qui ont brûlé récemment. Vous remarquez une pattern, et en fait, en regardant, tu te rends compte que le prochain endroit, c'est le manoir de Kane. J'y attendais pas du tout. T'as peut-être lui qui fait Ouais, il faudrait peut-être qu'on y aille, en fait, du coup. Oui. Est-ce qu'on a aussi un moyen de savoir à quoi il ressemble? De ce qu'on m'a dit, il avait les cheveux un peu blafards. Ah! Oui, tout à fait. Donnez-moi la coupe. De toute façon, elle est pas pour vous. Regarde. Ah, il me faut du sang. Elle va prendre celui de Valoriel. Commence à touiller un petit peu dedans. Incante quelques formules magiques. Regarde à travers. Homme damné, cher cachotier, vous savez qui c'est. Ah non, c'est à moi, en fait. Est-ce que Valoriel arrive au moins à écouter? Ou il est vraiment en train de... C'est un peu compliqué. Ouais, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, on en reparle déjà, voir si t'es pas au bord de la mort de l'homme. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je vois quand elle te montre? Ouais, tu vois un homme aux cheveux, aux traits extrêmement tirés, comme s'il avait marché aux côtés de la mort depuis des nombreux jours. 14. Les cheveux blancs et 14. Oui, alors c'est bon, t'es pas au port de la mort, mais t'es pas loin, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Tu le reconnais. Fulgrama. C'est ton frère. Est-ce que c'est un être qui me ressemble un petit peu? Alors, il te ressemblait très certainement il y a 2 mois, quoi. Mais là, il ne ressemble plus trop. Attends, mais son frère, c'était pas censé être un type proche de Sigmar et tout? Ouais, aussi. Mais c'est fou, il y a une sorte de destinée dans cette famille. Tout destiné à être corrompu. Ouais, le Schopenhauer, c'est pas tout à fait ça. Hein. Je crois pas qu'il soit corrompu. Tu prends un pont au bord de la mort. Là, je sens qu'il est en train de... De partir. De partir, donc... Je rappelle qu'une des conditions était qu'il ne meure pas. Il n'est pas encore parti, encore un petit peu. Je crois que les Attends, informations... Moi, je suis fermé, j'ai pas envie de l'aider. T'as pas tellement l'option. Toi, t'es en train... T'as le nez qui coule et...
les informations me suffisent, sa vie m'est plus importante. D'accord. Elle le chope par les cheveux, elle le relève gentiment pour qu'il arrête de saigner. Elle lèche un petit peu le sang qui coule gentiment sur sa jugulaire. C'est dommage. Je me serais bien amusé un peu plus avec. Lâchez-le. Puis tu t'éclates sur le sol. Ouais, bah, je fais rien d'autre que m'éclater sur le sol. Oui. Enfin, attendez. Te soigne un petit peu la blessure, mais rien d'autre. Oh, tellement gentil. Voilà. T'es un peu un PV, Soigne-le. Je sais, tu peux me la soigner. Soigne-le quand même. Elle te tend l'antidote, une magnifique fiole en cristal. Elle fait attention, hein, j'ai qu'une dose, mais vous verrez, c'est efficace. On va autant lui donner directement. Tu ouvres la fiole ? Alors, je me rapproche de son corps et j'ouvre la fiole directement sous ses narines. Ok, tac. À l'odeur, ton cœur se remet à battre à la chamade. T'as déjà senti cette sensation de drogue si particulière, tu te souviens ? La dernière fois qu'on était au Côte du Plaisir. Tu vas pouvoir me faire un jet ? Tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution ? Let's go ! T'inquiète pas, il revient à lui. Alors, le but c'était pas qu'il meure non plus. Ah donc 15. Non, c'est bon. Non, 10. Tu... T'as plus 4 en jet de sauvegarde. Ah ok, alors 19. Tout se relève. Hein, quoi ? Où ? T'es réveillé, tu viens de te prendre un shot d'adrénaline. Ouais, t'es pas passé loin de devenir addict à ce truc. Hein. Ouh, c'est bien. J'ai dit que la plante, elle aime beaucoup. Ah ouais, ta plante, elle est là. Ah, c'est parti. C'est efficace, votre truc. Oui. Tu joues deux fois par tour pour l'instant jusqu'à ta prochaine nuit. T'es mais défoncé. T'es aussi très chiant, du coup. T'es un vampire. Tu pourrais vous l'emprunter, celui-là ? Il a suffisamment souffert. Elle prend une bourse, elle te la balance à tes pieds. Je suis pas intéressé par ça. Triste. Peut-être une autre fois. Elle la laisse sur le sol. Elle va s'occuper d'autre chose. Je vais la prendre. Tu le ramasses, tu ramasses la bourse comme un gros rat. Je peux y aller avant. Je crois que c'était lui. Ouais, je pense que tu réagirais avant. Tu réagis avant, tu piques ta bourse devant coup, son nez. Non mais du coup, t'es charmé, donc tu me la donnes après. Donc tu lui la donnes après. Mais après, c'est je repense que je sais charmer et je vais te tabasser la gueule. Dans une heure. Un petit résumé de ce qui s'est passé, là. Et combien de pièces ? Je crois que nous pouvons sortir maintenant. Je veux vous remercier pour votre hospitalité. Ah oui, une chose au fait. Techniquement, j'ai encore l'été. Ne vous mettez pas dans le chemin de Cédeuil, s'il vous plaît. Ce serait dommage qu'on doive se débarrasser de vous aussi. Elle a une mission à accomplir ici. Je crois que nous avons pu avoir un aperçu de sa mission. Ça marche. Mais... Peut-être il fait bon, les choux. Un petit bisou à gauche, ça droite. Ça la fait pas tilter, ça. D'accord. Quoi ? Que on a déjà, genre, le fait qu'on ait croisé Cédeuil. Genre. Non, on le savait déjà, mais. Non, mais elle, ça la fait pas tilter que nous on ait croisé Cédeuil. Tu l'as dit devant elle. Enfin, tu l'as dit à elle. Non, tu marques quoi ? J'ai pas compris. Moi, je croyais qu'il parlait entre vous, tu vois. Non. Moi, je voyais la conversation. Ah, c'est toi qui disais, ne vous mettez pas devant. Ah oui, non, elle tique. Oups. Excusez-moi. Tout le monde qui s'arrête de parler de nouveau. Le bruit ambiant. Même les petits cris de gémissement et de jouissance au fond s'éteignent complètement. Tu sens un petit peu une aura très maléfique émaner de cette femme qui s'approche de toi sur ses talons en haut, en métal. Un peu comme de Petronil, en fait. Comment ça, vous avez déjà vu un aperçu de ses talents ? Je n'ai pas dit de ses talents. De ses talons ? Bah, disons que si j'ai... Alors, Yeldrill, complètement défoncé, a fait... Vas-y, tu peux parler. Non, mais, enfin, je veux dire, j'étais empoisonné par son poison, genre, ça vous a pas fait tilter ? Attendez. Bon, on fait quoi ? On fait la fête ? Comment ça se fait que vous soyez en vie, en fait ? T'as la porte qui se referme. J'aurais vu la réponse parfaite, mais je suis sous un putain de charme. Les gars, tu peux agir, hein. Mais quand lui, il veut. Bah, moi, j'étais déjà dans le coma à ce moment-là, donc je n'en sais rien. Par contre, toi, tu peux parler. Hein. Mais moi, je suis encore à un PV, en soi. Je suis un peu mal. Oui, genre, tu es mal, mais ça ne veut pas dire que tu... Mais tu l'as soigné ou pas ?
Mais j'ai rien pour soigner. Non, y a rien. T'as pas du premier soin ? J'ai rien. Non. Littéralement ? Non, non. Genre, bon, je suis à... mais je t'ai dit que je t'ai mis à 1 HP. Oui, donc bon, je peux parler. Donc tu peux parler. Oui, bah... si nous sommes encore en vie, c'est grâce à moi. Se retourne. Elle jette... Elle, tu vois qu'elle ramasse des dagues qui étaient un peu cachées dans son dos. Parce que, bon, quelque part. Caché, je veux dire, voilà. Quelque part. Où est-ce voilà. qu'elle les a sortis, on ne saura donc jamais. Elle s'approche de toi, elle pose la lame sur ta nuque. Je t'avais dit de jamais revenir. De ne pas interrompre ses plans. Nous avons plans. Peut-être des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Peut-être que nos plans s'alignent plus que ce que vous pensez. Eh bien, mettez-vous à table. Tu vois tous les vampires qui sortent des armes. À gauche, à droite. Il y en a un qui sort une fourchette. Nous vous invitons. Là, vous êtes en danger de mort. C'est la même chose qu'avec l'autre, mais vous êtes au milieu d'une grosse assemblée de vampires. Essayons le bluff. En vrai, là, pas les couilles. Vraiment, où il est maintenant. Alors, en vrai... C'est vrai que Gulu est là, hein, les gars. En vrai, il faudrait partir. Là. Ok. Enfin, le truc, c'est qu'en jeu, je peux pas te le dire, parce qu'on est de tout comme ça, mais ça, tous dans la gueule du mobile. Voilà, non, mais clairement, là, ça craint. Là, ça craint. Comment on a réussi à arriver là ? Non, mais dis ouais, que... Une petite erreur de ma part. J'allais vous laisser sortir sans problème, je rappelle. Oui, tout à fait. Bon, vu que les autres, là, ils sont en train de discuter, je vais causer, très cher. Bonjour, Yeldrin. On s'est pas présenté encore. Mais... Elle est plus du tout là pour se marrer. D'accord. Non, mais en fait, d'après... Alors, moi, j'étais un peu dans le coma, mais de ce que je me rappelle, en fait, on était venu pour tuer Vlad. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben, justement, on a réussi à vraiment, vraiment bien lui faire mal. Et ils se retournent tous, t'as toute l'assemblée. C'est quoi ? Ils ont attaqué Vlad ? Ils sont tarés, ils mentent. Évidemment qu'ils mentent, jamais ils auraient pu faire ça. On a réussi à le tuer. Dis Valoriel. Si vraiment, c'est trop possible. Ils ont fait quoi ? Comment ? Quoi ? Quoi ? C'est pas possible. Mais je peux pas dire, pour être précis, celle qui a donné le coup fatal n'était pas nous. Mais... Ouais, il y avait cette aura horrible qui arrivait, genre sur la fin en fait. Vraiment une aura de terreur et tout. Au moment où tu finis cette phrase, il y a la lame d'Elon qui est, mais genre, juste là. Elle veut pas qu'on descende. Genre. Ah non, pardon. Vas-y. Prononce, tu le comprends, elle te dit rien, mais genre, prononce encore un mot et je t'éventre ta gorge comme un gros porcel. Voilà. Oui. Je crois que tu comprends que ce que t'es en train de révéler va créer la grosse confusion. Tu peux le faire, mais tu prends un risque. Je te plante. Ouais. Et je te plante pas gentiment, tu vois. Qui prend un petit shot de sang. Bon, c'est pas tout ça, mais on va y aller. On va y aller, je pense. Gulu. Non, mais là... non, mais ce qui fait que, voilà. En fait, on était partis. Bah, on a fui parce que voilà. Mais on cherchait un peu les informations pour pouvoir vraiment continuer à se battre contre Vlad. Mais si vous avez pas d'informations, bah, on repart. Nous, moi, j'en sais rien. Nous, on était juste venus dire bonjour, essayer d'avoir les infos. Hein. T'en as plusieurs qui se lèvent, dont un des marchands. Ouais, parce que de base, parler de tuer Vlad avec plein de vampires, c'est pas une bonne idée, je crois. Non mais, alors, moi d'après ce qu'il est... Il est shooté. Enfin, je sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, Jean Vlad, il est pas tellement contre vos pratiques. Hein. De toute façon, chacun a ses envies, hein. C'est pas un problème. Nous, on est là aussi, j'ai la pièce, c'est pas pour rien. Mais je veux dire, si vous pouviez faire ça, genre à l'air libre et puis pas être caché dans une cave et puis dans vos châteaux, ça aurait quand même plus de gueule. Normalement, ça devrait jouer. Vous êtes, enfin, vous avez. Je me rapproche de lui et je l'endors parce qu'il dit de la merde. Ok. Alors, est-ce que ça aide ? Alors. Est-ce que ça alors, calme alors, déjà, tu peux. Un désavantage pour réussir déjà ça, rien que. Je veux dire, en termes techniques, il est dosé à la drogue, ouais, juste censé presque être immunisé. Mais est-ce qu'à la limite, ça le calme au moins ? Faut que je trouve les dés. Non, mais... En plus, t'es immunisé, je crois. C'est exactement ça. Oui, ouais. C'est ça, je recherche exactement où est-ce que c'est marqué. Non, mais t'es immunisé au charme, je crois. Pas au sort de sommeil.
Bon, de toute manière, je coupe court à la discussion. Vu la quantité de drogue qu'il vient d'ingérer, jamais de la vie tu vas réussir à m'endormir. J'ai un avantage sur les jets de sauvegarde contre être charmé et de la magie qui me. Et la magie ne peut pas m'endormir. Alors, carrément, tu lances ton sort. Il se retourne. Mais qu'est-ce que tu fais et tout? T'as Petronille qui se colle un petit peu à vous. Bah, les gars, non, mais enfin là, si on n'y va pas, c'est. Puis tu vois vraiment tout le monde commence à s'approcher de vous. Non, mais alors, Petronille, très cher, c'est avec plaisir. Saute d'angule, ok. Mais Petronille, c'est très cher, on y va quand vous voulez, mais je suis pas sûr qu'ils nous laissent sortir, c'est juste ça. Bon. Allez, viens, frère, je saute simplement. Faites-moi, alors pour ceux qui sautent d'angulu, faites-moi un jet d'athlétisme. Parce que Gulu, il vole au-dessus de vous, mais il a pas ouvert la gueule. Hein. Ouais. Enfin, il a fait peur à Elon avant, mais là, il a la gueule fermée. Il s'en bat les couilles. Je le dis, ça passe. 15. Ça passe. Ça va pas passer. 13. Ah non. Attends, parce qu'il y a Petronille aussi qui doit monter. Je tiens à dire que du coup, dans Gulu, il y a un truc très important que je fais. Je donne l'épée à Frank, je lui la rends. Ah oui, il l'a jamais récupérée. Elle l'a jamais récupérée, l'autre. Mmh. Chef. Ouais, elle a accroché la réelle, voilà, encore l'épée en main. Oups. Non, alors techniquement, c'est pas vrai. Parce que quand je t'ai collé au mur, j'avais 6 vampires qui étaient en train de t'écraser contre le mur pour t'empêcher de bouger et de parler. Donc je t'aurais pas laissé une épée. Mais on va dire que c'est mon erreur. Par contre, tu vas le payer. D'accord. Donc vous sautez tous les trois dans Gulu. Enfin, vous arrivez à grimper rapidement dans Gulu, Petronille aussi. Toi, t'es resté en bas. Ah, moi, je suis resté avec lui. Bon, donc toi, t'as même pas essayé de monter. Mais monte. Je sais pas, non, pour l'instant, ça va. Ok. Non, mais tu t'en rends compte, hein, Yadril, qu'ils vont te bouffer dans les secondes qui suivent. Yadril, fais-toi une image de ça. T'es au milieu du culte de plaisir. Tout ce qui t'entoure, c'est des vampires armés qui sont en train de te menacer. Pourquoi t'aurais envie de rester? Pourquoi pas? Je sais pas, moi j'ai rien fait, je viens de me réveiller. Yadril? Il est shooté! Fais-moi digérer de sauvegarde de dextérité. Ton personnage il a un problème avec la ceinture vie ou. Parce que là c'est. Non mais alors par c'est contre. C'est vrai quand il y a un moment où il se met une rune sur le corps. Par contre, mais genre je suis pété, le moindre essai qu'ils aient de m'attaquer, je dégomme des flèches. Et là je suis à 4 flèches. Tu dégaineras même pas tellement ils sont autour de toi. Tu te rends pas compte. T'as même pas la place de dégainer. T'es entouré. Là t'es encerclé. Tout le monde a foutu le camp, t'es le seul, avec lui. C'est les deux derniers. J'avais pas compris ça comme ça. Ok, bon bah, alors, oui, j'essaie de. Non, mais shooter, tu peux rester en bas, y'a pas de soucis, mais je te sens pas. Ah, moi je pensais pas qu'ils étaient aussi proches, moi je pensais que j'avais quand même le temps de tirer une flèche. Alors tu peux tirer une flèche, mais la seconde d'après, je suis sur toi. On va dire, c'est ça un peu le trade-off, tu vois, genre, eux ils ont sauté, je te laisse ton tour, tu peux choisir, mais si tu tires, je te saute dessus. Tu peux être, c'est une fumigène. Ninja. Quoi, fumigène? Mais j'ai pas de fumigène. Non, c'est que quand ils ratent les sorts, ça. Tu veux pas rater un sort et faire invoquer un démon majeur ici? Je suis Dangulu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je me lave les mains. Je me lave la main. Oui. Bah attends, ça dépend. Est-ce que lui, il essaie de monter? Il a intérêt. Non, je laisse d'abord jouer. Voilà. S'il monte. Très bon, mais j'ai envie de tirer les flèches pour ça. Non, ça sert à rien. Tu vas mourir. C'est pas grave. Mais je peux pas mourir. Tu vas perdre un fragment d'âme. Mais attends, en fait, je m'en balais, c'est que lui, on l'a tellement. Il est jamais mort. Il est quasiment jamais mort. Vas-y, crève pour une fois. J'ai pas envie qu'il crève. Non, mais si je suis le seul à me battre, ça va pas être drôle. Ouais, bon, vas-y, j'ai de l'acrobatie. Vrai, bon, bah, au revoir, messieurs là. Il y aura Sigmund aussi. Vas-y. Il y aura Sigmund, il s'est raté. Pour se battre. En fait, t'étais un peu shooté, il a essayé de te soulever, ça marchait pas. Allez, battez-vous les deux. Ça peut être marrant. Moi, je redescends pas. Non, moi, je redescends pas. J'ai pas envie de rester non plus. Mais fais comme tu veux. J'ai bien envie. Donc oui. Tu tires? Ok, alors on va pas faire de jet parce que ça va tourner au bain de sang quand même. Tu dégaines, tu tires une flèche dans le premier vampire qui se la prend dans l'épaule, qui s'éclate contre un humain qui était empalé. C'est les pieds pendus. Hein. Puis donc Sigmund essaie de grimper, il arrive pas et tout. Vous lui filez un coup de main ou pas du tout? Moi je l'aide, oui. Ok, alors vous l'aidez. Faites-moi tous les. Non, tu fais un jet d'athlétisme avec un. Tu restes avec moi. Non, j'ai dit que je voulais me barrer, moi. Non, mais c'est bon, je reste. Mais t'inquiète pas, on va te ramener. Mais du coup, moi j'ai de Sigmund. Genre 17. Ah, 18. Ok. Tu. Elle ressaute à deux. À droite, il y a des vampires qui te sautent dessus, qui te chopent tes chaussures. Et t'as tes potes qui sont en train de te tirer dans Gulu qui flottent à 2 mètres de hauteur et qui ne bougent pas. Sans balai. Tu perds tes potes? Oui, on va lui. Quelle bonne idée. On lui retire ses bottes. Donc tu perds tes bottes pendant qu'ils arrivent
à t'aider alors que c'était toi le maître du, des chaînes. Pendant ce temps, vous voyez Yandri qui se fait sauter dessus. Papa, il tire 2-3 flèches, il commence à se faire tailler dans tous les sens. Il y a des gerbes de sang, enfin, c'est un carnage. T'as Gulli qui même ferme un peu les yeux et qui lève et qui décide de foutre le camp. Ça va être très drôle de voir s'ils essaient de mordre dans de l'écorce. Alors justement, en fait, pendant que Yeldril t'est couché au sol et tout, Gulli, lui, il sort par la porte. Parce que s'il sort de l'autre côté, je te dis pas le carnage. Oui. Donc il sort par la porte, il explose la porte, le squelette qui était devant le pauvre, quoi. Oui. Lui, il part tout droit. Par contre, toi, t'es sous une horde de vampires qui sont en train de te déchiqueter en petites pièces. Décidément, il y a un gros morceau de chaîne qui tire. Non, vous perdez tous 20 points de vie. Yes. Et vous entendez un déchirement, genre... Bref, vous sortez de cet endroit d'Angulu et il y a 20 mètres, 25 mètres, je crois qu'on avait dit, on a allongé la chaîne. Il y a un bras de Yadril qui vous suit. Je tiens à dire que je suis au port de la mort, du coup. Ah bah, ils sont couchés sur toi, ils t'ont retenu. J'ai perdu mon prénom. Ah, du coup, il est mort. Le charme s'arrête. Oui. Non, c'est pas Valoriel qui est mort, c'est Yadril. Moi, je suis mort aussi, j'avais plus qu'un PV. Ah oui, oui, bah, non, alors techniquement il est au port de la mort. Oui. Il n'est pas mort. Non, moi je suis au port de la mort. Mais du coup, le charme s'arrête. Non, le charme, c'est une Le charme, c'est pas un centre de concentration, je crois. Non, c'est pas rien. Alors, non, ça continue. Donc, oui, Yeldril. J'étais revenu à la vie avec combien d'HP, je pense savoir. Ah, mais j'ai de foutre des bâches. T'étais full life. T'avais juste dormi dans ton poison, en fait. Il a gentiment te déchaîné. C'est juste savoir combien. Là, tu reviens à mid life. Mais t'es mort cette fois. Surtout perdu un bras. T'as pas compris. Ton corps, il est resté en bas. On a ramené ton bras, en fait, pas ton corps. Ouais. Voilà. Il s'est fait déchiqueter. T'es sans ton bras. Ton bras est en train de régénérer ton corps. Ouais. Voilà. Donc je suis mon bras. Oui, tu es ton bras, voilà. Ok. Son âme est dans son bras. Vous tirez les chaînes pour ramener, en fait, son bras. Putrainique, tu regardes ça. Vachement gore, quand même. Ouais, fais-moi un jet au bord de la mort. C'est vos collègues. Enfin, comment on fait ça, j'ai tellement jamais fait ça que je sais pas comment faire. Pour le coup, Valoriel et Diabetronil, ouais, faut demander ça à notre MJ. Hein. En fait, j'ai pas perdu les points. Et donc, comment on fait un jet au bord de la mort? Tu fais 1d66. Tu fais 2d6. Ah, mais là, c'est pas. Tu fais un jet de 66. C'est pas 60. Non, c'est pas juste porte de la mort. Là, il est mort. Ah, il est mort. Donc, c'est un jet. C'est un jet au porte de la mort. Moi, il me semblait que porte de la mort, c'était. Enfin, que mort, c'était indécent et puis que. Non, c'est un des 66. 56. Tu comprends la magie? Oui. Ok. Oh. 56. C'est élevé, ça, non? Alors qu'il y avait un bras, vous le voyez, il se régénère. Ah, fait craquer un peu. Récupération totale. Aucune blessure sur le temps. Le corps est capable de récupérer convenablement. Non. Bon, on y retourne. ça veut dire même pas fragment d'âme, rien du tout. Rien du tout. Non, dégueulasse. Deg. Ça, c'est deg. Genre moi, je suis mort des centaines de fois, j'ai perdu de l'agilité, j'ai perdu ça, je me suis fait sucer jusqu'au sang, etc. Lui, mort une fois, c'est... Mais t'inquiète, j'ai quand même perdu deux fois les points de dex. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, on a niqué sa dex. Hein. Il y a un moment, c'était dégueulasse. Par contre, j'ai eu quand même, je dois dire, j'ai eu quand même très peur. J'étais là, ok, je ne devais plus avoir de bras en tant qu'archer, c'est la merde. Non, on en arriverait peut-être quand même pas là, parce que sinon ça devient plus très amusant. Après, ça devient plus les chaînes du destin, ça devient les chaînes des éclopés, tu vois. Ouais. Bon, c'est un peu le principe. Bon. Un bras, deux bras. On a nos infos, ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe. T'as Gulli qui vous recrache juste à l'entrée, fait. Courez. Ouais, on a l'habitude, hein. Bon, on court. Vous foutez le camp comme dans ton journal, le bug. C'est clairement avec des vampires au cul. Oh, mais cette blague. Cette blague, mais c'est incroyable. Je fais un géoporte de la mort. Non, parce que lui, il a recraché, il a... Oui. Alors, justement, avec le dégât, t'as pris un dégât au porte de la mort. Donc, si personne te soigne... Oui, quelqu'un me soigne. Moi, je peux pas te soigner, donc c'est... Non, mais premier soin, hein. Je peux faire des premiers soins. Ah, hein. Merci, je préfère. Plutôt que d'utiliser une arme. Si tu veux, la seule chose que je sais faire, c'est foutre des grecs pour s'y servir. Mais je donne si ça va quelque chose. Enfin... Tu es charmé par moi pour le moment, tu feras pas ça. Je suis pas sûr d'avoir, genre, premier soin en truc. Par contre, je sais que j'ai de la médecine. Tu peux stabiliser, si c'est ça ta question. Pour éviter qu'il clame. Stabiliser, c'est bien. Mais ça veut dire qu'il faut le porter après. Ça va aussi, je suis pas lourd. Je suis un poids plume. Ah, c'était très lourd. Ah, c'était très lourd. Il est anémique. Hein. Je suis sûr que Frank. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait des potions autour de cette table? Mais voilà. Bah, voilà. Oui, il m'en reste une. Enfin, non, mais il en reste trois. Donc, oui, en fait, plutôt que de le soigner, je lui passe une potion. Et puis voilà. Merci. Voilà. Ça te remet
midlife si je me trompe non, pas. Non, c'est 2d8 je crois. 2d8 hein. 2d10. Ça c'est midlife. Ouais, c'est ça. 2d10 hein. Tu veux 2d10. Meilleur qu'une potion. C'est moi qui passe, c'est pas moi qui passe. Bon bah 10. Ah mais ce vendeur du tapis. Bon bah 10 points de vie. Hein. Meilleur qu'une potion, je te jure. D'accord, 10 points de vie. Let's go. Bah tu crois que c'est quoi une potion? C'est parti pour un tour. Je cours comme je peux. Bon, okay. On court. Le live, j'ai besoin du troisième drop, du troisième vote. Et attention, ce vote, il est full drama. Il va impacter de façon majeure l'histoire. J'imagine même quand, comment quand je redoute la suite. Majeur, c'est majeur. Non, si. Si, hein. Parce que du coup, ça risque de fortement influencer la façon dont vous jouez. Oh. Vous voyez, genre, les choix qui, avec les différentes alternatives. En fait, on a bien retourné du côté de la lumière. Ce serait pas mal. Et quand on parle de lumière, c'est pas un brasier, un bûcher. Ce serait bien que l'humain gagne. Je dis ça, je dis. Voilà, ce serait pas mal. Mais après. Est-ce qu'on a un moment où. Nous sommes les serviteurs du live. Hein. Ouais. Hein. Est-ce qu'on a un moment où on peut discuter sur le chemin. Alors, vous êtes en train d'étaler et je suis gentil. Vous finissez par les paumer avec un sort d'illusion. Parfait. Voilà. Je fais une illusion où en fait on est parti par là. Vous vous posez dans une sorte de petit morceau de grotte un petit peu miteux. En mode, il faut qu'on se repose. Petronille, qui est couverte de boue à force d'avoir couru un petit peu dans ses herbes et tout, avec les talons en métal, c'est pas fait pour. Puis là, je suis dégueulasse. Bon, moi, je vais me laver. C'est moi qui ai les pieds en sang. Franks, je tiens à te présenter des excuses. T'inquiète pas, L'heure est passée. Cher Petronille, vous allez vous laver. Vous connaissez une rivière par là autour ? Ouais, juste là-bas. Épée. Bon, les gens, on va se laver ? Oui. C'est parti. On va se laver, mais... Comme ça, la boucle est bouclée. Enlever un soldat, c'est la pire chose que tu peux faire. Je ne l'ai pas enlevé, tu me l'as donné. J'ai beaucoup de choses à lui dire, Alors, avant que vous partiez en full drama... Ah non, mais ils discutent tout en se déshabillant pour aller dans la rivière. Déshabillez, voilà, vous vous déshabillez en train d'argumenter, presque vous insultez les uns les autres, vous partez dans cette eau, c'est pas forcément de l'eau très propre, on va pas se le cacher. Mais bon, ça fait l'affaire. C'est très froid aussi, ça vous réveille un petit peu. Oui, c'est trop froid. C'est froid pour que l'eau soit pas propre. Dans une rivière passablement boueuse. Ouais. Je te rappelle, les terres en Sylvanie, à quel point elles gueulaient. C'est des marécages. Elles sont dégueulasses, ces terres. Genre, et aussi on a de la chance que ce soit de l'eau et pas c'est autre chose. Je pourrais venir vous chercher avec des insectes et des morts qui viennent vous choper pendant que vous êtes à poil dans les bains, donc, dans la rivière. Mais je le fais pas. Voilà. Parce que je préfère le full drama entre vous. Allez-y, à vous. Tu vas essayer de piquer mon épée, ce qui fait de moi un homme, ce qui fait de moi un soldat, et je te ce qui fait mon identité. C'est vrai que j'ai pas de popcorn. De ne plus l'avoir. Et on a fait en repartir sans épée, vous vous rendez compte épée, hein. Mais on a quoi, ça aurait été pas L'Oréal. Toi, Franks. Tu utilises tes mains, tu utilises ta voix. Moi, j'utilise mon épée pour me battre. Et Franks, tu as ton épée. Je me suis assuré que tu la gardes. Elle était bien mieux dans mes mains que dans les tiennes, dans cet endroit. Je te rappelle que tu étais entouré d'environ 4 vampires qui étaient prêts à te manger. Tu n'as pas d'argument, tu vois. Je ne peux rien dire, mais je ne pense pas que j'arriverai à te pardonner un jour, Valoriel. Je suis navré, Franks. Mais pourtant, le pardon, à mon sens, il faut qu'on puisse se le trouver parmi nous. Nous n'avons que ça, maintenant. Alors, et n'est-ce pas une des valeurs qu'on trouve dans ton petit bouquin, le pardon Le livre de Sigmar, c'est ça Vous commencez à taunter à toi, Sigmund. Ah non, moi je taunte lui, il y a pas de... Non, alors du coup, moi je vais vers Sigmund, justement. Je crois... Si il noie dans la rivière, c'est ton problème. Quoi Si quoi Non, rien. Non, on n'avait pas entendu ce que t'as dit. Mais on est tous à poil dans les bains, là. J'ai dit, s'il te noie dans la rivière, c'est ton problème. Ah. Très difficile d'en compter un sort avec la tête dans l'eau. J'ai des questions à lui poser avant. Vas-y. Ah, oui, oui. Sigmund, nous avons à parler, non? Moi, je boude. Quel gamin. Toi, tu boudes le cul gelé dans l'eau. Ah, et de toute façon, il boude pas longtemps parce qu'après, il a la vue de Petronille. Hein. Sachant qu'il a déjà passé une nuit avec. En plus. C'est vrai. Il y a Petronille qui vient se coller à ton corps un petit peu tout gelé. Oh, mon chouette, attends, je vais te réchauffer. Elle est toute froide. Ouais, juste froide, oui. Évidemment. Je grelotte. Je commence à cliquer les dents. Sigmund. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé là-bas? Qui est cette personne qu'il ne fallait pas prononcer le nom? Si vous voulez qu'on puisse intercéder en sa faveur auprès de Vlad, ou disons,
voir si elle serait une alliée ou une ennemie. Et plutôt, bien, il faudra nous donner des informations. En tout état de cause, elle n'est pas une ennemie. Ça, je vous l'assure, Sigmund. Maintenant, j'aimerais vous proposer... Vous avez vu son état. Oui, mais vous avez bien vu que le culte du plaisir aurait pu faire bien pire, et a fait bien pire. Et à vrai dire, Essedei de son nom, est une alliée. Ce n'est même pas serait, est une alliée. En tout cas, est mon alliée. Elle et moi allons loin. Elle était avec moi, dans ma famille. Elle est pratiquement de mon sang, bien qu'elle ne l'ait pas. Elle était ma préceptrice, ma mentor. Elle m'a pratiquement tout appris, sur absolument tout. Mais Sigmund, vous aussi, vous avez une ombre du passé qui est revenue. N'est-ce Full pas drama. Full drama. Le combat des titans. Je rappelle que c'est toi qui tiens les chiennes, hein, si tu veux. Les chiennes, oui, d'accord. Non, c'est les grosses chiennes. On est en discussion trop gentille. Là, ça va, chill. Hein. Non, mais de toute façon, on est tous dans la. On est tous dans cette histoire, tous ensemble. Donc, théoriquement, je suis un des êtres les plus purs ici. Comprenez que Essedei vient de mon passé et que dans mon passé, je ne vous ai d'ailleurs jamais partagé. J'ai certaines choses que je dois réparer et certaines choses que je dois détruire. Or, Essedei est bien la seule qui peut m'aider à accomplir ceci. Mais ceci n'est pas du tout contraire à nos objectifs et ils sont même alignés. Car d'un certain point de vue, j'aimerais aller... Et je ne finis pas ma phrase. Peut-être parlons un peu de vous aussi, vu qu'on est en échange. Sachant qu'on est tous à écouter aussi. Hein, sauf Petronier et Franks qui sont un petit peu à l'écart. Ah, ok, d'accord. Attends, je suis assez parlé de moi pour le moment. Je garde quand même un petit peu. Oui, bah, il y a 25 mètres de distance, donc il n'y a pas grand chose à craindre, mais elle est en train de lui rouler des patins. Ouais. Voilà. Ouais, tant que ça reste jusque-là, tout va bien. Ouais, ça, on verra bien. Si elle ne serait que. J'arrive quand même à mettre en priorité ça, genre ça, après ce qui est en train de se passer là. Ouais. Je peux quand même leur passer. T'as un vampire qui t'a tué en te suçant jusqu'à la moelle et autres qui se colle à toi. C'est à toi de voir hein, si t'as la possibilité d'écouter autre chose ou d'être terrorisé face à la présence. J'ai de constitution. J'ai de sauvegarde constitution. Mais si tu veux, je te lance un sort de charme. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah, lance-le et je vais faire mon jet de sauvegarde. Non, parce que je vais te flinguer si je fais ça. Alors. Voilà. Bref, Sigmund, vous parlez. C'est vrai que j'écoute. Tu peux essayer de discuter avec Petronier et lui dire que c'était très sympa une nuit, mais que là, il faut que tu te nous parles de tes compagnons et que voilà, c'est tout. Pas tous en même temps, les gars. Donc, oui, il faut peut-être bien que je révèle aussi quelques parties de mon passé pour être équitable. J'entends passer Sigmund, je réagis, je fais Petronier, c'est vraiment très agréable. Fais-moi un jet de sauvegarde de charisme. Mais j'aimerais bien écouter ce que mes chers camarades disent. Moi la seule. On verra bien, fais ton gère. J'ai rien en carrière. Je sais, c'est ça qui est génial. BOUNCE Yes ça fait double mode juste avant le live, je refuse. C'est les nouveaux dés en plus. Ah, parfait. C'est parfait. Ils sont pipés, c'est ça? Nouveau dé de D&D Arsenal, hein, voilà. Ils sont pipés. Ils sont pipés. Si vous voulez, mais j'ai eu de la chatte, acceptez-la! Ah, t'as de la chatte. Mais oui, donc. Tu prends la tête de Petroni, tu la pousses un peu dans l'eau. T'écoutes. Elle se relève, elle est furax, elle prend ses fringues. Elle se relève, genre avec la boue qui traîne sur le visage, comme ça. Oh, tu vas le payer aussi, ça. Ça, je crois. Vas-y, fous le drama. Vous vous rendez bien compte que nous ne pouvons pas appliquer la même stratégie contre Vlad et il faudra accumuler un maximum de chances de notre côté. Oui, bien sûr. La personne qui court à travers chaque village brûlé... L'incendiaire, là. Le pyromane, oui. Le pyromane. D'après Petronil, ce serait une personne qui aurait une dent contre Vlad
et aurait des informations contre lui. Mm-hmm. Mais d'après Elon, c'est une personne de votre passé. Je ne sais pas si c'est une personne que j'ai envie de revoir maintenant. Tu peux conclure là-dessus. Hein. Mais qui est-elle en faisant un jet de persuasion? Je me dis peut-être que ça peut passer. Ah oui, alors j'ai fait un jet de charisme, pas de soucis. Ah non. Bon bah tant pis. Je peux tenter quelque chose avec le 20. Vas-y. Non, déjà, je te tue pas avec Petronil, tu devrais trouver. Cherche pas à utiliser plus loin ton 20 naturel. Du coup, la discussion continue, mais c'est juste cet axe-là de discussion ne continue pas. Alors, c'est ah oui, on peut continuer sans aucun souci. Enfin, je ne coupe pas la discussion directement, mais elle peut même revenir. Quoi qu'il en soit, Sigmund, je pense que cette personne. Ainsi que Essedei seront des alliés inestimables, que ce soit pour Vlad ou pour la suite. Je suis quand même curieux sur le fait qu'une elfe noire trompant dans le culte du plaisir puisse être alignée avec nos désirs de détruire le chaos. Bien, vous le savez bien. Vous le savez bien, le culte du plaisir émane de son origine du dieu chaotique Slaanesh. Je ne vous apprends rien. Or... Je connaissais pas trop le culte du plaisir. Bah, t'as été traumatisé une première fois en y allant, maintenant la deuxième fois, ça s'est encore toujours pas bien passé. Or... T'as perdu tes chaussures. Are you getting cold feet? Or... Essedei et moi-même, ainsi que ma famille, avons été trompés par le culte du plaisir à l'origine. Tant, à vrai dire, si j'ai été renvoyé ou exilé ou banni d'Ultuan, c'est précisément à cause du culte du plaisir. What the fuck did you do? What the fuck? Pardon. Eh bien, je tiens à dire... Twitch, je sais pas si on a le droit. Je tiens à dire, à l'origine, moi je n'ai absolument rien fait. Ça a été une fausse accusation envers ma famille tout entière. Et d'où le bannissement. Ainsi, les Arnor ont dû donc s'exiler, se protéger. Et il n'y a qu'Essedei qui puisse détenir la vérité ou le nom des vraies personnes qui ont bafoué le nom de ma famille. Son axe de jeu a été révélé. Ouais. Plot twist, elle est mal partie, Essedei, je rappelle, enchaînée voilà. Dans le château. Attends, mais c'est-à-dire que tu peux pas retourner sur ton île, là, si tu voulais. Actuellement, je ne peux pas. Donc depuis tout le temps, tu nous vends du baratin, etc. Ah, il y a tout qui était faux. Il y en a un qui a tilté. Non, mais juste comme ça, c'est pour ça qu'on va te coter. Bah, je suis naturellement, j'ai encore de la chance. Je viens d'entendre, c'est pour ça qu'on va te péter la gueule. Non, c'est pour ça que tu es avec nous. Ah, ok. Non, parce que j'aurais trouvé ça assez intéressant, en fait. Non, c'est... Alors, naturellement, c'est bien pour ça que je ne suis pas sur Ultuan ni à Calédor. C'est bien pour ça que je suis... hors de ma zone de confort. Et c'est bien pour ça que je recherchais Essedei avant de m'être retrouvé avec vous. Et c'est pour ça que tu n'as jamais fini l'académie, finalement. La boucle est bouclée. Il y a tout s'explique, en fait. T'étais pas trop mauvais, tu t'es juste fait virer. Tension. Alors, je tiens à dire, Frank, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on pourrait dire ça. Drop the dice. Ça explique beaucoup de choses. Mais du coup, quand à chaque fois tu as fait des promesses aux gens, richesse, etc., c'était tout du pipeau. Bien, c'est sous condition que je puisse retrouver mon titre. Enfin, techniquement, je ne l'ai pas perdu. C'est plutôt ma famille qui a perdu sa reconnaissance de noblesse. Mais si la famille, l'honneur de ma famille est lavé, naturellement, ma noblesse est efficace. Donc, en vrai, quand je disais que j'étais de la noblesse, ce n'était pas un mensonge. Oui. D'ailleurs, je pense que je ne vous ai jamais menti, d'ailleurs. Vous n'avez juste pas posé les bonnes questions. Très belle langue de bois. Les gars, c'est pas un barbe pour rien, C'est clairement ça. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, nous devons encore trouver cette personne. Frank, tu retournes ta tête au bruit des pas de Petronil qui arrive. Tu prends ton pantalon dans la gueule de tes frocs. Fais, allez, habillez-vous, on y va.
Elle est fâchée contre moi ? Oui. Oh. Du coup, on s'est pas reposé alors ? Non. Bah voilà. Ok. D'ailleurs, si vous aviez besoin de vous reposer, de recharger vos stats. Fichu. Bah là, j'ai 16 PV. Pourquoi c'était un empressement, Petronil ? Rien. Bah, c'est-à-dire que si bah, votre pyromane là, il va chez Maître Kane, j'aimerais bien arriver avant que le. Avant d'aller au culte, on a eu un repos. Repos court ou repos long ? Vous aviez eu un repos long au moment où vous étiez allé okay. Là-bas. Je suis à 66 du coup. 64. Oui, non, Petronil, allons-y. Par contre, toi, du coup, il t'es le seul à qui il montre des PV. On est même pas PV quand c'est tous pris à cause des chats. Oui, 64 du coup. Tu ouais, exactement. Allons, compagnon, on y va. On va trouver cette pyromane. Ouais. Alors, trouver. Bon, bah, c'est parti. Vous avancez dans ce chemin passablement boueux, on va pas se le cacher. Jusqu'à ce que Petronil, qui bien ayant une bien meilleure vision que vous, vous regarde, fait « Oh purée, c'est pas vrai ». Et elle se met à vraiment sprinter comme elle peut avec ses talons, elle vous sème presque sans problème. Jet de perception. Bon bah, chose. Pareil. Hein. 17. Si je peux avoir une hypothèse, c'est que ça crame là au fond. Oui, mais on aura bien une confirmation. 23. 1. Obligé. Ah, ça y est. Il est joli, le champignon. Bon, ça va. Vous regardez tous au loin alors que vous avancez. Je vais être une aberration. Mais Arthur. Vous deux, vous regardez. Vous commencez à sentir avec votre nez et votre vision d'elfe. Il y a une sorte de petit nuage de fumée un peu blanchâtre. Ouais, ouais. C'est en train de flamber là-bas. Toi, t'as même pas besoin de regarder. Tu sais que ça flambe, en fait, je veux dire. Toi, Frank, t'essaies de regarder. Il y avait une racine. Tu prends tes pieds, tu trébuches. Malédiction. Une racine. Malédiction. Tiens, tu perds 10 points de vie. Mais c'est de vengeance gratuite. Non, c'est un échec critique. Souvent, tu perds des points de vie. Oui. Yeldril, j'étais juste en train de dire, Yeldril, qu'est-ce que vos yeux d'elfe voient ? Je suis gentil, je t'ai pas déboîté l'épaule. Exactement. Ça m'est arrivé si jamais flammes, si vous demandez. Je me suis pété la gueule sur une racine, je me suis déboîté l'épaule. C'était pas sympa. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça. T'avais pas essayé de creuser pour essayer de la porter la racine après. On était revenus et je croyais que je voulais piquer la racine. Puis après, en fait, il y a un de mes meilleurs potes qui a creusé le sol. J'ai rendu compte que la racine était profonde que Mac. On a fait oublier. Parce qu'il y avait ça qui sortait, mais en fait, elle était 6 fois plus large. Il fallait une tronçonneuse. Comme les icebergs. Exactement. Là, on court avec Petronil, je pense. Très clairement. Vous accourez le bâtiment. Avant de commencer à courir, en fait, je regarde Sigmund, parce que si on court, puis lui non, bah, ça sert à rien. Sigmund, tu cours ou pas ? Je sais exactement ce qui va arriver. Je suis toujours aussi peu pressé d'y arriver. Mais s'il est déjà loin, ça risque d'être quand même dommage. Donc on va quand même... Allons, Sigmund, okay. On y va. Donc tu presses le pas, mais pas trop, faut pas déconner. Bah, t'as les chaînes qui font tink. Puis vous trottinez un petit peu tous avec les chaînes. Au final, c'est plus nous qui tirons Sigmund. Ouais, c'est le carrosse Sigmund. Ah, je pense c'est plus chien de traîne. Je te rappelle qu'il n'a pas de chaussures. Oui. Ah, il n'a pas de chaussures, c'est vrai. Donc il n'a pas envie d'aller forcément très très vite. C'est étonnant, il n'a pas demandé à l'un de nous de lui donner des godasses. Il aurait pu. Oui. Mais il est encore gentil au fond. Mais juste au fond. Bah justement, on va en apprendre plus sur ce genre d'histoire. Et alors que vous arrivez au manoir qui est complètement en feu, vous entrez le pas de la porte. Et dedans, vous voyez Petronil qui est là. Lâche-le, salaud ! Planté sur une magnifique rapière, en fait, en partie d'argent, hein. Un homme au regard fou, hein, vous voit entrer. Ses cheveux, hein, mottes de cheveux restants blanchâtres, sous couvert de cendres de l'incendie actuel. Dans son autre main, une torche avec un produit extrêmement inflammable, parce que ça a fait cramer le bâtiment déjà en entier. Maître Kane, empalé sur la lame, essaie de sortir de cette rapière, mais n'arrive pas, et meurt petit à petit, à petit feu, remercier de l'âge, sur sa lame. Et l'homme fou se retourne et vous regarde et fait « Ils arrivent. Ils arrivent. » Et il voit Petronil, et c'est parti pour le baston. Yes. Et c'est la grosse arrête pour l'épisode 26-27 des chaînes du destin. Fou drama, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez y arriver ? Comment allez-vous faire pour récupérer les chaussures de Sigmund ? La suite, au prochain épisode. Pour le live, restez là, on prend une pause de 10 minutes. Ouais. Merci. Non mais de toute façon, on recommence et t'en prends plein la gueule, genre quand on recommence le prochain épisode, donc... Ouais bah merci, hein. Franchement c'était fantastique. Ouais, ouais, c'était très bien, mais c'est fou drama quand même. Hein. Fou drama. Ça c'est clair. Et c'est pas fini. L'autre option c'était l'inverse, c'était Kane qui empalait le gars. Oh nice.
Ouais, exactement. T'as compris pourquoi c'était full drama sur ce choix. Oh putain ! Ça aurait changé complètement ton axe de jeu. Ah, ça aurait été vachement cool, ça. Je pense que dans l'autre sens, il se serait passé un truc tout très intéressant. Ça aurait été très sympa aussi. Ah oui, putain, ah, ouais. Mmh. Ouais, alors ça aurait été très intéressant aussi, mais je crois que je préfère quand même. Je pense qu'il y aurait eu plus de château, il y aurait eu plus de manoir. Ah, à savoir, à savoir. Un petit mot pour la fin. C'était horrible, je suis content d'avoir mon épée. Non, voilà, on n'est pas censé pas prononcer son nom. Ah mince. C'est vrai qu'il faut pas dire son nom. C'est vrai qu'il faut pas prononcer son nom. Moi je le dis, moi je le dis. Moi j'en ai rien à foutre. S-A-Day. 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 Des bisous, À bientôt.